aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, prenons aussi Acte 2:38, sur les Écritures que nous connaissons tous. Acte 2:38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Prions Dieu. Père Céleste, ces Écritures qui nous sont notre Dieu habituel, ô Seigneur, demande une grande inspiration venant de toi, Seigneur, car au cours des âges, ces Écritures étaient dans la Bible, Père. Mais, ô notre Dieu, c'était scellé, si bien que pendant longtemps, Seigneur, nous étions dans l'ignorance et nous ne les voyons pas, Père. Mais tu as dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous te rendons grâce pour ce notre Dieu, que la même inspiration, la même révélation soit répétée aujourd'hui, Père, pour affirmer notre foi dans cette marche. Nous te prions ainsi avec foi, au nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que tout le monde va bien. Amen. Bien, nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons être heureux dans la maison de Dieu. Amen. Dans la semaine, nous avons vu que ce sont ceux qui étaient assidus au temple qui était informé que le Messie était dans le temple. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il ne faut pas abandonner son assemblée comme c'est l'habitude de quelques-uns. Parce que dans les temples, il y a quelque chose qui s'y passe. Et nous avons la promesse que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Et nous venons ici pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Dans la semaine, nous avons vu qu'il y avait un grand événement qui s'est déroulé dans les temples. Mais il y a eu simplement quelques témoins qui étaient au courant et qui voyaient l'accomplissement de la prophétie, à savoir Jésus-Christ, le bébé, devait être présenté au temple le huitième jour. Ce Messie que tout le monde attendait, lui, n'est-ce pas que le prophète avait annoncé? Alléluia! Amen. C'est un grand événement. Dieu avait utilisé des grandes trompettes au cours des âges et des grands prophètes pour annoncer le Messie. Amen. Alléluia! Amen. Mais quand le Messie devait être présenté au temple, seuls quelques individus. Il y avait le vieux Siméon. Alléluia. Amen. Le vieux Siméon. Vous voyez, souvent on abandonne l'église aux vieux, aux vieillards. Il y avait la vieille Anne qui avait l'habitude, n'est-ce pas, d'aller au temple pour prier, pour jeûner. Donc, ils étaient dans l'éveil. Parce que quand vous restez dans une attitude de prière, vous êtes en éveil. Amen. Il n'y a pas moyen de dormir pour celui qui n'espère toujours en train de prier. Même les démons, s'ils veulent vous attaquer, si vous priez beaucoup, ils ne sauront jamais vous atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Les sorciers, quand ils veulent vous, n'est-ce pas, vous attaquer, je fais l'expérience, la chose qu'ils font d'abord, c'est de vous endormir. Amen. De vous envoûter. Et vous entrez dans une espèce de cauchemar et ils attaquent. Je vous demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je me retrouve en train de dormir? Et puis vous faites des songes bizarres. Ce sont des sorciers qui sont sur vous. Et si ça arrive, réveillez-vous. Amen. Et commencez à prier. Amen. Alléluia. Amen. Et priez beaucoup. Amen. Qu'ils essaient encore. Ils ne vous atteindront jamais. Amen. Jamais. Parce que vous êtes sous l'atmosphère et la présence du Seigneur. Alléluia.
que voilà, n'est-ce pas, que pour attendre le Seigneur, seuls ceux qui étaient en éveil dans les prières, Siméon, avait été averti par le Seigneur qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Amen. Marie, c'était une servante du Seigneur. Et on disait, viendra-t-il quelque chose de bon de Nazareth? C'était une ville corrompue, moderne. Il y avait beaucoup de rencontres et de mélanges, n'est-ce pas, à Nazareth. Comme ici, on dit une ville, n'est-ce pas, un pays multiculturel. Quand des gens viennent de beaucoup de pays et se rencontrent, chacun vient, n'est-ce pas, avec sa culture et avec sa corruption. Alléluia. Amen. Il y a un brassage. Vous prenez, n'est-ce pas, des histoires des bandits, vous, les bandits prennent, n'est-ce pas, des bakongo, et ainsi de suite. Et souvent, on a quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a toujours la corruption. Mais Marie s'est gardée pure, vierge. Et elle était fiancée avec un vieux gentleman qui l'avait jamais violé. Alléluia. Amen. Jeune fille, gardez votre virginité. Amen. Et Dieu sait qui, n'est-ce pas, pour garder sa virginité, prie. Parce que le corps va vous exiger d'aller dans un sens comme dans un autre. Mais pour discipliner le corps, il faut beaucoup prier. Et lire la parole de Dieu. Vous nourrir de la parole de Dieu. Rester, n'est-ce pas, en communion avec Dieu pour vaincre le corps et ses désirs. Et ses passions. Et c'est Marie que Dieu a visité. Et c'est Joseph que Dieu a visité pour leur annoncer que le Messie allait naître, n'est-ce pas, chez eux. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit que le jour où Jésus devait être présenté, tout le monde critiquait Marie. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient, n'est-ce pas, alignées pour présenter leur bébé. Et on critiquait Marie. Voilà, dans le coin, disant, mais son fils là, son bébé, est né avant le mariage. C'est un enfant illégitime. Comment est-ce qu'il peut même venir avec cet enfant le présenter au temple, n'est-ce pas, du Seigneur? Parce qu'on n'avait jamais vu la cérémonie de mariage où Joseph avait épousé Marie. Alléluia! Amen. Mais Marie et Joseph gardaient le secret. Amen. Il s'était passé des choses que Marie gardait dans son cœur. C'était des pauvres. Alléluia. Amen. Et le chrétien n'est pas là pour se battre pour la vérité, non. Il garde le secret, n'est-ce pas, dans son cœur. Amen. Quand tout le monde, n'est-ce pas, le prenait à partie pour le critiquer, alléluia, Marie était silencieuse. Et quand son temps est arrivé, elle s'est simplement avancée. Avec son bébé comme tous les autres. Et son bébé n'était pas bien habillé. Elle non plus n'était pas bien habillée. Vous savez, nous l'avons vu, quand, n'est-ce pas, une sœur a accouché, elle veut avoir un nouveau pagne pour, n'est-ce pas, présenter son bébé. Mais ce n'était pas le cas avec Marie. C'était les pauvres. Et elle s'est avancée, n'est-ce pas, avec le bébé. Et le bébé n'était pas connu. Mais Dieu connaissait qui était ce bébé-là. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Siméon était quelque part, Dieu lui dit, lève-toi Siméon, l'heure est arrivée. Amen. Avance. Parce qu'il y a des gens qui font des expériences avec le Seigneur, dans le silence, sans faire de bruit. Et Siméon s'est avancé, tout doucement. Il dit, mais Seigneur, où est-ce que tu me conduis ? Obéissant à Dieu, jusque, n'est-ce pas, devant là-bas. Et Siméon a pris les bébés des mains de Marie. Marie n'a pas dit, mais pourquoi tu prends les bébés? C'était curieux. Ils sont les complices, le Saint-Esprit dans l'esprit en action. Amen. Alléluia. Il prend les bébés et il les tient dans ses mains. Mais les pasteurs étaient là, ne savaient pas qui était ce bébé.
Maintenant, Dieu va présenter ce bébé-là. Amen. La vérité doit être connue et publiée. Amen. Il prend le bébé. Il dit, oh Seigneur, laisse ton serviteur maintenant s'en aller en paix. Amen. Car mes yeux ont vu le Christ du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le salut pour Israël. Consolation pour ton peuple. Oh, mais qui est ce bébé qu'on a dont on a critiqué, mais n'est-ce pas, la mère? Dieu commence à les présenter par des gens qui étaient, n'est-ce pas, consacrés. Ceux qui attendaient réellement le Seigneur. Frères, nous attendons la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment le faisons-nous? Nous là, Jésus revient bientôt. Dans quelle attitude et quelle atmosphère nous attendons ces grands événements, et dans notre cas, c'est un secret. Mais celui qui va partir ne sera pas surpris. Parce que Siméon n'était pas surpris. Amen. Et Anne, une vieille femme, 84 ans, elle a vécu pendant 7 ans avec son mari. Et son mari, n'est-ce pas, était décédé. Elle est restée veuve. Elle dit, Seigneur, bon, je n'ai que 7 ans, n'est-ce pas, de vie conjugale. Je ne veux plus me remarier. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile parce qu'elle était restée vierge jusqu'au mariage. Elle a vécu 7 ans de vie conjugale avec son mari. Son mari, 7 ans après meurt. Il dit, Seigneur, je vais me consacrer à toi. Le reste de ma vie. C'est une décision difficile pour une jeune femme. Le corps réclame encore. Mais elle a pris cette décision-là, volontaire, pour être, n'est-ce pas, pour avoir un nouveau mari. Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est le mari des veuves. Amen. Et le père des orphelins. Amen. Et si vous connaissez Dieu, le frère, il est la fontaine des délices que ce monde ne peut pas vous donner. Amen. Oui, je vous dis, il y a des gens qui trouvent leurs délices, n'est-ce pas, dans les terrains de football. C'est vrai, il y a les délices là-bas. Hein? Parce que moi aussi, j'allais suivre les matchs de football. Je vous l'ai dit plusieurs fois ici, nous on avait ici, il y avait un match, n'est-ce pas, à 15h30, stade du 20 mai, on allait là-bas à 10h. C'était un lieu de délices pour crier, pour attendre un match qui va commencer à 15h30. Mais quand nous venons ici, il dit qu'il fasse vite, qu'on parte, qu'on rentre vite à la maison. Sa prédication est trop longue. Il prend trop de temps pour rien. Et le prédicateur, sans la pression, il ne saura pas prêcher. Parce qu'il ne trouve pas la collaboration, n'est-ce pas, de l'assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons prêcher ensemble. Amen. Les joueurs dans les stades jouent avec les stades entiers. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, quand un bon joueur court avec les ballons, mais c'est tous les fanatiques qui courent avec lui. Amen. C'est eux qui vont marquer les buts avant que les buts arrivent au filet. Mmh. Alléluia. Amen. Mais si tu prêches, tu sens la lourdeur de l'assemblée, le sommeil, tu n'auras plus d'onction. Mmh. Tu sens que tu deviens nerveux et c'est fini. Mmh. Je vous l'ai dit. Amen. Mais si le stade est avec toi, Amen. Le frère madame dit, nous aussi, nous devons être exubérants comme ceux qui vont dans les stades. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre joie, elle est réelle. Amen. Elle est plus grande. Alléluia. Comment voulez-vous ceux qui vont, n'est-ce pas, suivre les musiciens ou la politique? Mmh. Vous avez vu, n'est-ce pas, comment ils ont suivi leur favori candidat? Comment ils le soutiennent? Ils ne vont même pas leur faute. Oh, il y a
Il y a un ami au travail, un collègue, je travaillais là. Alors, comme c'était un taquin, il vient me piétiner. Moi, j'ai regardé comme ça, il est derrière moi. Il vient me piétiner là au pied. Je me dis, qu'est-ce qu'il a là-bas? Il piétine encore. Je regarde, il dit, le Kouniatama. Allez, le Kouniatama, le sous. Bongo Boganga, aïe. Neto Rotiga, Bino. Alors, on a ri. Vous comprenez, n'est-ce pas? On a ri. Pourquoi? Parce que c'est un fanatique. Non, il ne voit que le bien, n'est-ce pas, de son candidat, n'est-ce pas, qui passe. Oh, il a fait ceci, là. Non, il n'a rien fait. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut supporter celui qu'on aime. Amen. Alléluia. Amen. Et nous aimons Jésus-Christ. Amen. C'est notre candidat. Amen. C'est pour lui, n'est-ce pas, que nous avons fait une plateforme. Amen. Le frère madame dit... Moi, je n'élève qu'une seule plateforme. Amen. Une seule personne va monter sur cette plateforme. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Hey, je ne suis pas là pour élever les hommes, mais sinon, non, je viens pour élever Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Simon dit, salut d'Israël, consolation pour Israël. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Si seulement on peut avoir, c'est pas le temps de parler, n'est-ce pas, de cette consolation. Vous imaginez, je parlais hier, la nuit, je crois, à mon fils Isaac. Je disais, mais Isaac, tu sais, il y avait une femme qui était malade, qui souffrait de la perte de sang. C'est dur et pénible pour une femme de se trouver dans ces conditions-là. Et elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins les plus qualifiés pour aller dans des hôpitaux et des cliniques, mais en vain. Alléluia. Amen. Elle avait tout fait. Peut-être qu'on avait aussi prié pour elle plusieurs fois, mais en vain. C'était un jeûne permanent pour cette femme-là. Jusqu'à ce qu'elle a entendu parler de ce Jésus. Et parce qu'on dit que sa renommée commençait, n'est-ce pas, à se répandre. Donc Dieu était en train, n'est-ce pas, d'élever une plateforme pour Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen de le cacher, mes frères. Si vous le découvrez, vous serez comme un fou. Amen. Et Jésus-Christ, si vous le découvrez, c'est fini. Amen. On va le voir. Amen. Elle a entendu parler, n'est-ce pas, de ce qu'il faisait. Ah, je crois que je vais trouver la solution. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi se réveille. Amen. Et ce qu'on entend de Jésus-Christ. Amen. De loin comme de près, si vous le découvrez, elle aussi est partie de loin. Le peu d'argent qu'elle pouvait avoir, elle a pris, elle a peut-être payé l'avion ou le train pour chercher où se trouvait cet homme-là. Jusqu'à ce que, arrivé, là où il était, c'était une foule immense. Une grande foule, et n'importe qui pouvait le toucher. Comme mon frère, n'est-ce pas, prêché ici, enseigné aux enfants, nous l'avons touché. Tout le monde pouvait le toucher. Tout le monde pouvait le voir. Mais elle avait un besoin. Amen. Alléluia. Amen. Elle devait se frayer le chemin dans cette foule compacte. Et tout dépend, n'est-ce pas, de ce que vous venez chercher. Amen. Ah oui. Amen. Quel est votre besoin? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est sans condition. Tout tient, n'est-ce pas, de votre foi, Amen. De votre attente, Amen. Alléluia, Amen. De votre persévérance, de votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Elle s'est frayée le chemin, n'est-ce pas,
avec beaucoup de difficultés avec des hommes et tout ça. Donc elle devait arriver jusqu'à, mais elle tenait jusqu'à percer. Alléluia. Mais il y a touché à toucher. Parce que quand elle est arrivée à toucher cet habit, alléluia, c'est bien, mais c'est seulement, je peux toucher seulement cet habit. Amen. Parce qu'il est la fontaine même de la puissance. Amen. Elle n'était pas venue avec ici, sinon que je touche simplement son habit. Et quand elle est parvenue à toucher son vêtement, le bord seulement de son vêtement, alléluia, il y avait comme un courant électrique. Amen. Et sur place, c'est stoppé. Alléluia. Jésus-Christ, elle a eu sa consolation. Consolation pour Israël. Alléluia. Mais si on entre là-bas, on ne va pas, je ne vais pas prêcher ce que j'ai prévu ici. On verra ce qu'on peut faire. Donc là, c'est pour prêcher ceci, la divinité expliquée. C'est la prédication du frère Branham. Bon, moi j'aime répéter ce que Branham a dit. Hein. Amen. Parce que je n'ai pas de message. Je n'ai pas cette capacité de commencer à... On peut toujours le faire, mais je préfère prendre ce que le prophète a dit. Amen. Comme ça, je suis couvert. Amen. Vous suivez? Je suis couvert. Amen. Vous n'allez pas demander, frère, où est-ce que tu as donné? Je vais lire ce que le frère Branham a dit et après je pars. Amen. Je n'ai pas, n'est-ce pas, à rendre compte. Non, 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 je n'ai pas une histoire que j'ai arrangée moi-même. Non, j'ai lu et je sais que je vous ai lu. Vous n'allez pas me poursuivre. Ouais. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je ne veux pas de poursuite. Oh, merci Jésus. Bon, disons, prenons encore acte. Acte 26. Parce que le frère Branham a commencé par là. D'ailleurs, qui projette là-bas, cherche-toi acte 26, parce que moi, je n'ai pas du temps. Acte 26, à partir de... Oui, merci. Bien, allons-y, on va voir s'il faut sauter, on va sauter. Mais Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifie en ces termes, continue. Bon, alors on va sauter, va vers 19. Verset 19, parce que pour ne pas tout lire, pour gagner le temps, oui. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Alléluia. Ouf. Et je prends le frère Branham dans la prédication, la divinité expliquée. Les paragraphes 23, je crois. Oui. Bon, 22 déjà, il dit. Ici, bien sûr, c'est Paul qui parle. Et nous tous, en tant que prédicateurs, nous aimons nous référer à lui parce qu'il nous croyons de même accord qu'il était l'apôtre pour l'Église des nations. Que Dieu l'a appelé à être un témoin pour ceux des nations. Et son ministère avait été mis en question. Vous suivez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce grand apôtre, son ministère était mis en question. Donc, mon ministère aussi peut être mis en question. Frère André, yes. Ah, il faut déjà être prêt d'être mis en question. Ce n'est pas une chose facile de venir ici, dire que non, j'ai un appel, je vais prêcher. Non, on va vous mettre en question. Paul, le grand apôtre, a été mis en question. Alors, frère madame, quoi? Écoutons-le. Et d'habitude, quand quelque chose d'inhabituel se déclare, c'est mis en question. Amen. Ah. Quelque chose de quoi? D'inhabituel. Amen. Oui, c'est quelque chose dont on n'est pas habitué, donc on doit mettre en question. Le frère Madame continue, il dit,
Et je pense que, excusez-moi, et je pense que c'est tout à fait juste. Vous suivez, hein? Amen. Ça doit être mis en question. Amen. Donc, quand quelque chose d'inhabituel est déclaré, les frères Branham disent que c'est normal. Amen. Que ça puisse être mis en question. Amen. Il ne faut pas appeler la foudre contre celui qui met en question, n'est-ce pas, quelque chose d'inhabituel. Et je pense que parfois, les pasteurs se méfient des choses qu'ils entendent. Et je pense qu'ils sont en droit de le faire. En effet, si je comprends la traduction du mot pasteur, ça veut dire un berger. Et par conséquent, il est un homme qui nourrit ou qui conduit un groupe d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a confiés à sa surveillance. Amen. Et il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ses brebis reçoivent. Et d'où elle vient, je pense qu'il y a droit. Amen. Ça, c'est ce que dit le frère Branham. Donc, si vous et moi, nous entendons, ou si moi, je déclare quelque chose d'inhabituel, il est normal que vous puissiez mettre la chose en question. Que le pasteur mette la chose en question. Alléluia. C'est pourquoi Paul aussi avait été mis en question. Son ministère avait été mis en question. Pourquoi? Parce que si nous lisons, n'est-ce pas, dans Actes 26, on voit bien que Paul, lui, il était un pharisien, un juif, formé par Gamaliel, zélé pour la religion de ses pères. Un pharisien, un véritable croyant de la Bible, de la loi. Et lui aussi attendait le Messie. Mais il a entendu parler, n'est-ce pas, des chrétiens. Une secte. Une nouvelle religion. Qu'il n'avait jamais entendu parler, n'est-ce pas, entendu avant. Il dit non, je ne peux pas rester bras croisés ayant la foi dans la loi de Moïse. Il était tellement zélé qu'il a commencé à persécuter l'église du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et il était soutenu, n'est-ce pas, par son peuple. Il était parmi les plus zélés, n'est-ce pas, des sacrificateurs, des étudiants. Il était à la tête. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. De se battre, n'est-ce pas, pour la vérité. Parce que Paul tenait, n'est-ce pas, la loi qu'il avait étudiée, et la loi de Dieu d'ailleurs, pour la vérité. Et donc, il ne pouvait pas supporter qu'il puisse y avoir une hérésie, une secte, une fausse religion, n'est-ce pas, en Israël. Il a commencé à combattre les chrétiens. À les arrêter. Jusqu'à ce que dans son témoignage sur le lit, il avait approuvé le meurtre, n'est-ce pas, d'Étienne. Mais il avait été marqué en voyant comment Étienne mourait. Il y avait un homme qui mourait, qu'on maltraitait, qu'on avait lapidé. Mais en mourant, il dit, « Ah, je vois le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, assis à la droite de sa majesté divine. » Amen. Et ça, ça l'avait beaucoup marqué. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, il a continué, n'est-ce pas, à persécuter l'Église jusqu'à ce que, n'est-ce pas, un jour, sur le chemin de Damas, au milieu de la journée, vers 11h midi, alléluia, resplendit une grande lumière. Pourtant, il y avait un grand soleil. Mais il y a une plus grande lumière qui l'a frappé, et lui, et ceux qui étaient avec lui. Et il s'est retrouvé, n'est-ce pas, par terre. Et la lumière lui a parlé, « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ?» Amen. Alléluia. Amen. Et Paul a dit, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» C'est majestueux d'appeler la lumière Seigneur.
Paul est un véritable dans la Bible, n'est-ce pas? Savait que ça, c'est la colonne de feu. Amen. Mais je veux savoir, quel est ton nom? Et la lumière lui a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Cela a tout changé pour Paul, mais ce n'est pas possible. Je suis en train, n'est-ce pas, de poursuivre les chrétiens, les gens qui parlent, c'est Jésus. Mais ça, c'est le Seigneur. Comment le Seigneur s'appelle maintenant Jésus? Et Dieu continue à lui parler. Il dit, je te suis apparu pour que Dieu donne, n'est-ce pas, sa commission pour que tu puisses prendre. Mais c'est bien de lire ça. Je ne sais pas si. Lisons je vais voir ça rapidement. Pour trouver exactement les paroles du Seigneur, acte 26. Ah, il dit 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il se passe quelque chose, frère. Quand quelqu'un fait une véritable expérience authentique avec Dieu, le Seigneur a dit, les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre, n'est-ce pas, cette révélation. Amen. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous avons reçu la même révélation. Amen. De la même colonne de feuilles. Amen. Qui fait que quand nous parlons de Jésus, oh frère, nous sommes comme des fous. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne suffit pas simplement de les voir sous la forme de la lumière. Amen. Certains l'ont vu simplement dans une brochure. Amen. Alléluia. Amen. En lisant la brochure, ils disent, mais ça, c'est quelle histoire qu'ils sont en train de lire. Amen. Et ça a changé, n'est-ce pas, votre témoignage. Amen. Le frère Branham dit, vous avez commencé à dire, autrefois j'étais un catholique. Amen. Autrefois j'étais kimbondiste. Autrefois j'étais baptiste. Amen. Mais maintenant j'ai vu la lumière du soir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, regardez Paul. À cause, n'est-ce pas, de la rencontre, de cette vision qu'il a eue, il est allé témoigner, n'est-ce pas, devant Festus, le gouverneur. Devant le roi Agrippa, il ne tremblait pas. Non. Son témoignage était vrai. Oh, alléluia. En plus, il est allé, n'est-ce pas, dans le désert. Il dit, je ne m'arrête pas simplement à donner mon témoignage, je veux voici le témoignage. La vision que j'ai reçue correspond avec les Écritures. Amen. Avec le plan de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait un fondement biblique. Amen. Il ne faut pas simplement raconter, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non, il faut que je ramène. Amen. Le frère Branham disait que, amen, même si j'ai une vision, yes, il rentre. Alléluia. Amen. Pour voir le plan. Si ça correspond, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre la révélation de la parole de Dieu. Amen. Impossible. Amen. Votre témoignage, n'est-ce pas, dans votre famille, est tellement solide qu'on ne vous supporte pas. On dit que vous êtes orgueilleux, que vous êtes intraitable. Parce que vous connaissez la vérité. Amen. Vous ne pouvez pas régner cette vérité-là. Même, amen, vos amis à l'école, à l'université, tous vous trouvent pour un fou. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Paul, on l'avait trouvé, n'est-ce pas, dans les temples. On l'a arrêté. Alléluia, on voulait le tuer. Et puis on l'a amené chez Festus. Et puis chez Agrippa. Et il dit, Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Comment voulez-vous que je ne parle pas de ce message, frère? Comment voulez-vous que je me taise, connaissant la vérité de Dieu? Parce que c'est un mundele. Un mundele va m'empêcher de parler de Jésus-Christ. J'ai appris qu'on a renvoyé mon frère, le papa de... De plus, quand oui, il était. Le frère Marcel de son boulot. Parce que tout le temps, il parlait à son chef du message.
J'ai dit que Dieu bénisse mon frère. Alléluia. Amen. Qu'il les bénisse abondamment. Amen. Et qu'il bénisse ce chef-là. Parce que peut-être cet homme-là va chercher Dieu à cause de Jélette. Nous, on ne maudit jamais. Non. Il ne comprend simplement pas que Jélette a quelque chose. La consolation d'Israël nous est parvenue, frère. Alléluia. Quand Israël a rejeté cette consolation, nous, nous avons pris cela. Alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen de ne pas en parler, frère. Et donc, il était mis en question. Et quand vous êtes mis en question, mais que vous connaissez, vous avez la vérité. Mais Dieu vous donne une occasion, n'est-ce pas, de parler, ne soyez pas en colère. Vous serez plutôt à l'aise d'exposer. Regardez, tiens, un simple diacre, alléluia, devant, n'est-ce pas, les Sanhédrins, le souverain sacrificateur était réuni, des hommes importants qui ont étudié. Mais lui, il était rempli de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit en lui. Amen. Il a commencé à parler. Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit descend sur lui. Le Saint-Esprit n'a pas peur des gens. Ce qu'il a dit, attendez la puissance d'en haut. Quand vous serez devant les hommes, ce n'est pas vous qui parlerez. Amen. L'auteur de la parole lui-même descendra et parlera. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour nous laisser influencer par des hommes. Non, c'est pour proclamer le même évangile Amen. Que Paul et les autres ont proclamé. Et le frère Branham dit que Paul, oh, maintenant il était en difficulté. Lui qui était un pharisien, les pharisiens disent, ah, mais celui-là est devenu un traître. Il a tourné Kazakh. Yes. C'est comme un agent double. Alléluia. Amen. Oh, lui qu'on avait envoyé pour arrêter les chrétiens. Mais il parle contre nous, il défend les chrétiens. Oh, merci Seigneur. Amen. Et les chrétiens aussi se méfient de Paul. Quel évangile? Amen. Quelle position? Amen. Ils disent, ah, on ne sait pas cet homme-là, peut-être que c'est un intrus. Parce que vous savez, même dans les domaines de la parole de Dieu, il y a des intrus. Amen. Il y a l'espionnage, je vous l'ai dit. Amen. Il y a des gens qui viennent ici pour espionner. Il y a des espions. Les frères Branham en parlent. On aura une occasion, n'est-ce pas, d'en parler. Il y a des espions qui viennent. Nous sommes en guerre, non? Nous sommes en guerre. Et l'espionnage, c'est aussi une technique qu'on utilise couramment pendant la guerre. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais Paul, finalement, il avait tellement parlé, n'est-ce pas, du Seigneur, même devant les apôtres, que Pierre a compris que non, 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 c'est notre frère. Amen. Celui-là, ce n'est pas un espion, c'est notre frère. Amen. Il a reçu quelque chose de plus que nous. Amen. Frère, nous ne pouvons pas tous avoir la même quantité de... Non, il y a des gens comme des pasteurs Barouti, hein, qui ont quelque chose de plus grand. Amen. Non, ça ne doit pas nous gêner d'en parler. Absolument pas. Non. Amen. Parce que ce frère, moi j'étais dans son assemblée, j'étais c'est mon pasteur, il commet aussi beaucoup d'erreurs. Hein. Oui, et ces erreurs, moi je n'ai pas peur de lui. Je lui parlais, je vais lui parler, mais je l'aime beaucoup. Amen. Je vous l'ai dit. Je l'aime beaucoup. Mais c'est un homme courageux. Amen. Très courageux. Amen. Pour apporter la parole de Dieu, ne recule pas. Amen. Il ne recule pas devant les difficultés, il ne recule jamais. Amen. On a prêché, quand il est devenu pasteur, le message dans les 24 communes de Kinshasa, alors que les branhamistes étaient mal vus, méprisés, on se moquait des branhamistes. C'est vrai. On est allé d'une commune à l'autre pour finir au stade du 20 mai, au stade Kamagnola. Et maintenant, tout le monde, n'est-ce pas, connaît le message. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a quelque chose de plus que nous autres. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour autant, s'il y a quelque chose qu'il faut mettre en cause, s'il y a une déclaration, s'il y a une déclaration inhabituelle,
Comme l'a dit le frère Branham. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous rentrons, n'est-ce pas, l'original. Amen. 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 Frère, je vous aime bien. Amen. Mais vous avez fait une déclaration inhabituelle. Amen. Nous aussi, nous avons le droit de vérifier avec l'original. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que je vous aime pas, non, je vous aime beaucoup. Mais je sens qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Je crois qu'on en avait parlé, je vais en parler un peu. Parce que peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là. C'est rangé du côté de Jésus. La plateforme. Un peu, pas beaucoup. Hein. Parce qu'on va aller... Dans les paragraphes 60, les paragraphes 60 à 70, il parle de ça. Et je vais prendre quelques points ici et là, et puis... Alors, l'autre nuit, donc il a raconté l'histoire de son rêve, l'autre nuit j'ai rêvé que j'étais allé exercer le discernement dans un lieu où une foule de mes amis s'était rassemblée. Ils étaient des milliers à une réunion. Un homme est venu me chercher. D'habitude, c'est Billy qui vient me chercher. Parce qu'il ne faut pas me parler. Et cet homme-là était un vrai moulin à paroles. Alors, avant que j'arrive là-bas, l'onction pour ça était complètement partie. Et là, je me suis dit, eh bien, je vais juste aller là et prêcher le message, dire à ces gens, n'ayez rien à voir avec ces dénominations et tout ça. Et sortez comme ceci. Et quand je suis arrivé sur l'estrade, ça aussi, c'était parti. Bon. Et il va parler de l'estrade ici. Bon. C'est parce que je vais sauter, hein, parce qu'il faut que j'aille dans le message. Alors, je ne sais pas, il dit, je ne sais pas ce que cela voulait dire, mais je vais sauter. Je prends 63. Non, 63, il dit, il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Ce sont la fin de ma route. Alors, cet autre qui doit venir, laissons-le venir. Vous savez? J'aurais ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Parce que, souvenez-vous, celui qui viendra prêcher se tiendra à la parole. Quelle parole? Ramenons la foi des enfants à celle des pères. Donc, vous voyez la mission même de celui qui doit venir après le frère Branham. Quelle est sa mission? Ramener la foi des enfants à celle des pères. C'est clair, non? Et qui doit faire ça? Ah, nous voulons savoir qui doit faire ce travail-là. Et le frère Branham, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas Élie. Non, mais frère, écoutez. Nous sommes les enfants de la maison. Amen. Nous devons comprendre le langage de notre Père. Amen. Amen. Il peut nous projeter là-bas, nous renvoyer là-bas. Mais le frère Branham a dit que les élus comprendront. Amen. Parce que le frère Branham, comme prophète, s'il veut se cacher, vous n'allez pas le trouver. Amen. Mais si vous êtes un élu, restez silencieux. Et écoutez-le jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit les élus vont comprendre, ils vont comprendre de quoi je parle. Oui. Amen. S'il y a quelque chose d'habituel, nous avons le droit, dit le frère Branham, de faire quoi? De mettre en question. Non, c'est le frère Branham qui l'a dit, ce n'est pas le frère Béni, c'est le frère Branham. Amen. Et ici, la personne, n'est-ce pas, qui doit venir après le frère Branham, c'est celui qui doit ramener les cœurs des enfants à leur père. Mais qui doit faire ce travail-là? Le message. Vous voyez? Amen. Donc, c'est ça. Il ne sait pas que ce soit la fin de ma route. Il se peut qu'il soit en train d'opérer un changement dans mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien il se peut qu'il m'appelle, ne m'appelle plus à être un évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre. Il va appeler qui? Hein? Il va appeler qui?
Il dit, il va m'appeler moi. Le frère Branham dit, il parle de lui-même. Hein? Il dit, il se peut qu'il va m'appeler quelque part dans le désert pour moindre. Afin de m'envoyer, je pense, comme celui dont la venue a été promise. Amen. Ça pourrait être n'importe laquelle de ces choses-là. Amen. Vous voyez le frère Branham, il peut nous mettre dans une histoire compliquée parce qu'il ne veut pas se dévoiler. Mais les élus en fond de la maison entendent, comprennent le langage de notre Père. Amen. Comme le Seigneur disait, mais ah, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu n'as pas compris. Amen. Bon, je pense 64. Il dit, je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales, afin peut-être d'aider à poser un fondement pour un prophète qui viendra. Donc, celui qui va succéder au frère Branham doit être un prophète. Un prophète. Amen. Qui viendra. Donc, Branham, il s'exclut lui-même qui n'est pas le prophète. Vous le croyez comme ça? Non. Vous, Branham? Non. Non, nous comprenons notre prophète. Amen. Et sa façon de parler. Non, nous comprenons. Nous sommes, n'est-ce pas, les enfants de la maison. Alléluia. Amen. Bon, si je continue comme ça. Bon, il dit ceci, je prends les paragraphes 68. Maintenant, nous voilà donc arrivés ici à la fin du temps. Alors que si Dieu m'a appelé, maintenant écoutez, il ne faut pas répéter ceci. S'il m'a appelé à être son prophète, eh bien, je ne suis pas en train de remplir cette fonction. Ça, c'est certain. Les prophètes n'évangélisent pas. Les prophètes se cachent dans le désert, seul avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui ait fait connaître exactement et précisément ce qu'il veut de lui. Il surgit tout à coup. Il apporte son message, puis il retourne dans le désert. Il n'est pas un évangéliste qui tient des réunions et qui obtient la collaboration des gens. Et toutes ces choses que font les évangélistes, ils n'enseignent pas comme les évangélistes. Donc le frère Branham dit que moi je ne suis pas un prophète. Et vous croyez ça? Non. Mais il a pourtant dit. Alléluia. Amen. Ça, c'est William Branham. Il dit des choses, mais nous comprenons. Parce que nous sommes de la maison. Amen. Et nous savons qui est le prophète. Mais ici, il est en train, n'est-ce pas, de parler d'un changement de ministère. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il parle, il revient, il parle. Parce que lui, le frère Branham, sentait cette pression de ce ministère qui arrivait. Et il s'est posé des questions. Il avait reçu un songe et il se disait, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Vous, quand le frère Branham commence à se poser des questions, restez simplement silencieux, continuez à les suivre. On n'aura pas le temps d'explorer tout ça ici, mais il va continuer avec ça jusqu'en 1965. Si on a une occasion plus tard, on va voir que jusqu'en 65, il a commencé à dire ça, mais finalement, il a dit les choses clairement quelque part. Et ici, il est dit aussi déjà clairement ici. Ici, c'est déjà clair. Amen. Alléluia. Bon, plus loin ici, il dit ici, au paragraphe 70, au milieu, je mélange les deux fonctions. Je me suis toujours plaint de cette situation debout et ainsi de suite. Bon. Alors, donc on va, je vais laisser ça comme ça. Donc vous voyez, ici nous avons compris que la personne qui, pour laquelle, n'est-ce pas, le prophète, en lisant l'original, toujours la même prédication, pour laquelle le prophète, n'est-ce pas, était en train de préparer la plateforme. C'était lui-même, c'était un changement de ministère, n'est-ce pas, qui allait s'opérer. Amen. Alléluia. Amen. Et le frère Branham, en tant que prophète, il a parlé comme Paul. Je connais un homme. Amen. Qui est allé jusqu'au troisième ciel. Amen. Vous voyez? Amen. Était-ce, n'est-ce pas, dans ce corps? Je ne sais pas. Mais si je dois me glorifier, je me glorifie de cet homme-là. Amen. Quand vous lisez, vous ne vous retrouvez pas. Alléluia. Amen. Mais les enfants, les élus comprennent. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans notre maison, si nous voulons cacher des choses, nous allons les cacher.
Voyez-vous, nous allons parler un langage tel que seuls les élus vont comprendre, n'est-ce pas, de quoi il est question. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des enfants de la maison. Amen. Les élus de Dieu. Voyez-vous, les frères Branham ont dit que si on doit mettre en question, il faut mettre en question parce que nous voulons vraiment placer nos pieds, n'est-ce pas, là où c'est solide. Amen. Amen. Que quand nous allons répéter, n'est-ce pas, la chose, que nous ne puissions pas être confus après. Ce n'est pas, n'est-ce pas, manquer de dégâts ou de rester. Non, 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 c'est le message. Le frère Branham a dit, n'est-ce pas, revenez au message. Amen. Bon, ça, on va laisser. Maintenant, qui doit prendre la relève? Prenons un peu les paragraphes 5 et 9. Et 9. Au milieu. Vers le bas. Il dit 111. Si vous dites, j'ai dit ça à 9. Hein. Bon, je vais prendre la partie de 111. Le simple parti. Si vous dites, oh là là, frère Branham, je vais vous dire telle et telle chose. Eh bien, un tel s'est tenu là l'autre soir, telle autre chose s'est passée comme ceci. Il dit, ceci dit, surveillez ça. Surveillez ça de près. Ne rejetez rien. Vous voyez? Ça, c'est la bonne attitude. Quand il y a une déclaration, ne rejetez rien. Il dit, attendez simplement, observez-en le comportement et ensuite, confrontez ça avec la parole. Et voyez si ça concorde avec la parole. Alors, si ça concorde avec la parole et que tout est bien, remerciez Dieu. Et continuez simplement à avancer. Alors, voyez, pourvu que ça reste dans la parole. Voilà mon opinion. C'est ce que je pense que vous devriez faire. 112. Frère Neville, frère Rudel, frère Créis et frère Biller, et vous tous les frères ici, Juni, où que tu sois, et vous les autres frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vois Terry Lynn, Charlie Cox, David, les jeunes hommes. Vous êtes nombreux ici. Que Dieu vous soigne. Amen. Oh, comme j'aimerais prendre une poignée d'entre vous et vous faire participer à l'évangélisation. Amen. Vous postez quelque part, voyez? En sachant que vous avez mûri, vous pouvez tenir et vous connaissez le message. Amen. Et vous étudiez pour faire vos preuves. Vous sentez un appel dans votre vie. Je vois deux ou trois jeunes hommes et quatre ou cinq autres assis dans une autre rangée. Ici, et comme ça, vous êtes des jeunes hommes. Moi, je vieillis. Vous suivez? Amen. Moi, je fais quoi? Moi, je vieillis. Frère Neville vieillit. Nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. C'est vous qui devrez prendre la relève. Voyez? Et donc, voyez-vous, et là, peut-être que ce jour-là, ce sera même devenu encore plus glorieux s'il y a un lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc, le frère Branham ne voyait aucun mal qu'il y ait des frères prédicateurs, au moins, qui ont un appel après lui ou en son temps même, qui devraient prendre la relève. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette question ne doit pas vraiment se poser. Parce que même de son temps, le frère Branham voulait qu'il y ait des gens qui prennent la relève, c'est-à-dire qui prennent le message et aillent prêcher le message. Amen. En Inde, en Afrique, en Asie, partout dans le monde. Amen. Et il dit, mais si moi je pars, je quitte la scène. Le frère Neville, n'est-ce pas, quitte la scène. Mais j'ai des jeunes ministres ici qui doivent être formés pour
continuer avec le message. Amen. Donc la question ne doit pas se poser. Ça ne doit plus, n'est-ce pas, nous choquer. Alléluia. Amen. Parce que le prophète pour lui, n'est-ce pas, ce n'est pas un problème. Bien. Alors, prenons un peu la question de la responsabilité, parce que je n'ai pas pris la responsabilité. Prenons le paragraphe 95. Je vais prendre la partie paragraphe 95. Je vais lire. Je veux vous dire une chose. Chez les Branham, nous sommes neuf. Et nous nous bagarrions comme des jeunes chiots. Mais après tout, une fois la bagarre terminée, nous étions quand même des Branham. L'un savait que l'autre était un Branham. Je savais qu'il était un Branham. Alléluia. Il savait que j'étais un Branham. Voyez, mais nous nous bagarrions. Dans votre famille aussi, vous les faites. Mais ce sont quand même vos frères. C'est comme ça. Nous pouvons avoir des divergences entre nous. C'est en ordre. Mais nous sommes quand même un. Nous sommes un en Christ. Nous croyons ce message, alors tenons-y. Tenons-nous-y. Vous voyez l'attitude qu'il faut avoir. Nous avons et nous pouvons avoir des divergences et même nous battre. Vous suivez ça? Amen. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir l'attitude qu'avaient les pharisiens et les autres juifs à l'égard de Paul. Parce que quand ils ont vu Paul croire au Messie, ils l'ont haï. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à les calomnier. Des fausses accusations pour les traîner devant les tribunaux. Ce qui arrive malheureusement aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ce message, c'est ça. Un frère a fait une déclaration inhabituelle, c'est vrai. Mais il ne faut pas l'insulter. Ah oui, c'est un frère. C'est un frère. Il ne faut pas les haïr. Amen. Mais regardez l'attitude que nous avons, n'est-ce pas, sur Facebook. Où on insulte les prédicateurs, les serviteurs de Dieu. Mais ces hommes, sous le ministère desquels nous avons grandi. Si aujourd'hui nous pouvons même prêcher, c'est parce que ces gens-là sont tenus devant nous et ils ont prêché ce message. Ils nous ont éclairés sur beaucoup de points. Alléluia. Frère, il n'y a que celui qui ne travaille pas, qui ne fait pas d'erreur. Oui, celui qui est assis sur les gradins, lui, ah, il aurait dû jouer comme ceci. Ah, mais s'il avait fait ceci, mais va sur le terrain, jouer, on va voir. Amen. Si tu ne vas pas voir, n'est-ce pas, la langue en train de pendre, tu ne vas pas tomber là, les ballons en train de passer. Voilà. Alléluia. Amen. Voici ce qui se passe. Donc, nous oublions souvent que le pasteur tel a fait une erreur, mais c'est un frère. Amen. Il ne faut pas l'insulter, faites attention. Là, il faut vraiment faire attention. Amen. C'est un frère. C'est un fils de Dieu, il a une place au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis. Je vous le dis. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous tromper quant au salut, n'est-ce pas, de ces hommes de Dieu-là. Ils sont Amen. Déjà sauvés. Amen. Ils ont le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, ils ont déjà un trône au ciel. Amen. Ils ont déjà des récompenses pour les grands travaux qu'ils ont faits. Voir, regardez la difficulté ici en Europe que nous avons de trouver même un seul croyant. Seul. Par rapport au travail qu'ils font, tant sur le plan national et international, ça devait être notre fierté. Alléluia. Ça doit l'être. Mais néanmoins, s'il y a, n'est-ce pas, quelque chose qui ne va pas, non, 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 là, ça ne va pas. Papa, là, franchement, les prophètes, ici, regarde les prophètes. Pas de haine, pas d'animosité. Et avoir des divergences, c'est vrai. Mais toujours l'amour. Mmh. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a pas dit que celui qui va prêcher la parole ne va jamais commettre des erreurs. Hein. Il n'a pas dit ça. C'est pourquoi il y a cinq ministères qui se complètent.
Bon. Il dit, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire pour continuer à avancer jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est donc ce que je voulais dire comme ça, et je crois que vous avez comment. Vous voyez? Alors maintenant, il nous donne une autre recommandation, il dit ceci. Il dit, voyez, il faut être enthousiaste pour le message. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, j'aime beaucoup, frère. Parce que le frère dit, il faut être quoi? Enthousiaste pour le message. Amen. Et dans ce message, les croyants du message sont toujours enthousiastes. Amen. Faites une petite erreur, vous allez voir comment tous ils vont se lever. Alléluia. Parce que nous suivons tout, nous suivons les uns les autres. Il faut être enthousiaste. Si vous n'êtes pas enthousiaste, alors il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut non pas dire, eh bien, le mois dernier, j'étais très enthousiaste. Mais je ne sais pas. Vous voyez? Là, il y a quelque chose, quelque part, qui cloche. Il faut être enthousiaste tout le temps. Amen. Vous voyez? Alors, continuez à cogner dur. C'est le diable qui essaie de pas vous de refroidir, de relâcher. Amen. Quelles que soient les situations Amen. Où vous vous trouvez, s'il faut chanter, chanter, lire, lisez, priez, priez. Alléluia. Amen. Ne laissez pas, n'est-ce pas, le feu s'éteindre. Non. Ne laissez pas. Venez à l'église. Amen. À moins que vous soyez empêchés par les travaux ou autre chose, vous n'avez pas. Vous habitez peut-être loin. Mais autant que cela est possible, venez, faites un sacrifice. Amen. Venez à l'église le mercredi, le vendredi, le dimanche. Amen. Non pas pour les pasteurs, pour les... Non, pour vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu a préparé oui, pour vous. Oui. Amen. Toujours. Amen. Non, n'ayez pas trop des uns simplement pour votre travail et pour je ne sais pas quoi. Non. Soyez zélés pour le Amen. Seigneur. Amen, 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 amen. Le frère Bernard dit, sinon, il y a quelque chose qui cloche. Oui. C'est comme ça que nous sommes en train d'attendre le Seigneur. Amen. Non pas comme dit le frère, le président ici des saisonniers. Hein, volontairement saisonnier. Tu fais 6 mois, on ne te voit pas. Et puis on te voit 2, 3 fois, et puis vous, tu disparais. Non. Soyez toujours enthousiaste pour le message. Amen. Comme j'ai toujours aimé notre dernier président, M. Eisenhower, j'avais une grande admiration pour le général Eisenhower. Il a dit, lorsque nous étions au combat, il a dit, souvent nous prenions une cartouche et l'introduisions dans le fusil, nous armions les chiens, laissions tomber les cartouches dans la chambre, et elles faisaient leur feu. Le coup ne partait pas. Il a dit, nous ne capitulions pas. Amen. Vous suivez ça? Amen. Par exemple, nous avons prié pour chasser un démon qui n'est pas parti. Mm-hmm. On ne capitule pas? Amen. On a tiré le coup, ce n'est pas parti. On ne capitule pas? Amen. On va encore prier. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prêché. Peut-être que ça ne va pas bien marcher. Je ne capitule pas. Amen. Non, monsieur. Il y a de la résistance à l'église, je ne capitule pas. Amen. Ça, c'est le diable qui cherche à vous avoir. Amen. N'oubliez pas que nous sommes au combat. Amen. Il ne va pas nous laisser, n'est-ce pas, la vie facile. Non, 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 non. Mais il faut continuer à combattre. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Il dit, c'est ça, c'est comme ça qu'on gagne la guerre. Amen. Continuez à essayer. Amen. Introduisez la cartouche et appuyez sur la détente. Vous avez un but, une cible à atteindre. Yeah. Et si le coup ne part pas, éjectez la cartouche, introduisez-en une autre et essayez de nouveau. Amen. Introduisez-la et essayez de nouveau jusqu'à ce que le coup parte. Amen. L'une d'elles est une cartouche vive. Mm. Avec l'une d'elles, le coup partira. Amen. Mais voilà, c'est ce que nous devons faire. Amen. Continuez simplement à tirer jusqu'à ce qui se passe quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Pas simplement un coup et un feu, non. J'ai essayé, ça n'a pas essayé. Je vais continuer. Un jour, Amen. Quelque chose se passera. Amen. Alléluia. Et la symphonie va changer. Amen. Oui, les miracles vont commencer à se produire. Amen. Mais travaillons d'abord. Amen. Continuez à tirer, à prier, à lire, à
Amélie a prêché un jour. Amen. L'auteur de la parole descendra. Amen. Il a même vu, n'est-ce pas, ses disciples en train, n'est-ce pas, de souffrir à chasser, n'est-ce pas, les démons d'épilepsie. Ils ont échoué. Mais il n'aime pas les échecs. Alléluia. Amen. Lui-même, finalement, est venu. Et quand il est venu, la première chose à faire, c'est qu'il a chassé d'abord les démons. Amen. Et puis il les a reprochés. Il fallait continuer toujours. Avec le jeûne et les prières. C'est comme ça que vous devez arriver, n'est-ce pas, à vaincre. Alléluia. Amen. Non, ne lâchez pas prise. Oh, merci Seigneur. Amen. Maintenant, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tirer en ce moment. Je parle là-bas sans même savoir, sans avoir une idée de conduite. Il dit une responsabilité. Des millions de gens vous regardent. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire? Certains pensent que je suis mort. Certains pensent ceci. Même que lorsque ce coup de feu est parti l'autre jour, on a raconté que j'avais tenté de me suicider. Toutes sortes de choses. Vous voyez, partout dans le pays, et toutes sortes de choses. Vous voyez, mais on a tous ces problèmes-là auxquels il faut faire face. Et puis, on a les fardeaux des gens. Et imaginez un peu si Dieu vous donnait de connaître les cœurs des gens à qui vous parlez. Réfléchissez à ça, vous voyez. Frère, peut-être, je sais que vous avez des fardeaux, mais vous ne comprenez pas. Et en plus, ici, on a la responsabilité d'ici. Vous dites, bien, ça devrait être facile pour vous, frère Branham. Si quelque chose doit être fait, Dieu vous le dit. C'est tout. Non, il ne me le dit pas. Je me débat avec ces choses, comme vous. Et même beaucoup plus que vous, bien sûr. Je dois me débattre avec ces choses beaucoup plus que vous. Amen. Vous comprenez? Amen. Le frère Branham, quand il était à la chasse, il y a un coup qui est parti, je crois qu'il allait mourir, les gens pensent que non, il voulait se suicider. Donc le diable a répondu à la nouvelle que non, le frère Branham voulait se suicider. Je dois me débattre moi aussi. Parce que je me donne le discernement, quoi que pour moi c'est facile. Non, c'est pas facile. Quand tu as un don, tu as un plus grand fardeau pour prier, pour. Quand tu connais, pas les dans le cœur des gens, mais c'est plus difficile. C'est plus lourd. C'est pas un travail facile qu'il faut désirer, non. Il dit, moi aussi, je dois me débattre. Ah, ça signifie que nous aussi, surtout nous les parents, nous devons nous débattre dans nos conditions difficiles d'ici. Nous avons des enfants difficiles, nous avons des difficultés, n'est-ce pas, nous avons des dettes, nous avons des travaux difficiles, pénibles même. Et la pression de la vie, on doit se débattre dans ces conditions-là. Amen. Dieu veut que dans ces conditions, nous continuons, n'est-ce pas, le combat à tirer. Ça ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Alors il dit ceci. Cette question, lui. Et il me sera redemandé plus qu'à vous. Vous devez répondre d'une église. Qui doit répondre d'une église? Lui, le frère Branham. Non, c'est le pasteur. Mais pourquoi ça posait des problèmes? Parce que c'était une déclaration inhabituelle. N'est-ce pas? Il y a un frère qui a dit, bon, le frère Branham, évidemment, moi j'ai lu ces documents-là. C'est dans la guérison divine du paragraphe 234 que je répondrai pour ceux de ma génération. Ça, c'est le frère Branham qui l'a dit. Que je répondrai pour ceux de ma génération. Qu'est-ce qu'il entend par génération? Il précise ceux avec qui j'ai vécu. Les hommes et les femmes avec qui j'ai vécu. Il a précisé. C'est inhabituel. Nous ne sommes pas habitués à écouter, n'est-ce pas? Ces discours-là du frère Branham. Nous sommes habitués à dire, n'est-ce pas, tout ce qui toi aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, tout le monde, n'est-ce pas, danse. Parce que nous tous, nous avons le frère Branham. Tout ce qui toi aimé, et tout ce que tu as aimé, je te le donne. Je vous ai tous vu là-bas. Nous avons ça. Mais Branham dit, moi, je vais répondre pour ceux de ma génération. Ah, moi, quand je venais mes frères comme ça, tu nous as exclus ou quoi? Ça fait mal.
C'est ça le problème. Et c'est inhabituel. C'est inhabituel. On se consolait, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as. Maintenant, je vais répondre simplement pour ceux de ma génération, c'est-à-dire ceux qui ont vécu l'espace de mon temps. Ça devient compliqué, c'est ça le problème. Et ça suscitait des réactions vives, vigoureuses. Et c'est normal, dit le frère Branham. Alléluia. Parce que c'est une déclaration inhabituelle. Mais c'est une déclaration du prophète. J'ai essayé de faire voir cette déclaration dans plusieurs sens. Je dis, mais la déclaration est là, il n'y a pas autre chose à dire. Mais j'ai vu, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu qui nous ont. Ben vous savez, une génération, c'est 40 ans. Ok, nous connaissons ça. Et alors, une génération, c'est 100 ans. Parce que les 400 ans, tout ça, comme nous avons la connaissance, on va commencer maintenant à chercher à étendre, n'est-ce pas, la compréhension. Mais bravo, ceux qui ont vécu avec moi, il a précisé sa pensée. Donc vous pouvez dire 40 ans, 100 ans, vous savez où vous voulez, mais. Lui a dit, ceux qui ont vécu avec moi, moi je vais répondre. Alléluia! Amen. Oui, c'est ce que le frère Branham a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc il n'y a pas moyen de faire autrement. Maintenant, la question qui s'est posée, c'est que le pasteur, ce pasteur a dit, non? Alors, Dieu suscitera un autre homme pour lui après moi. Le frère Branham l'a dit aussi. Maintenant, si le pasteur en question dit que c'est moi, eh bien, tant mieux, c'est lui. Moi, le problème. Je dis, bon, alors, si lui prend cette place-là, ok, qu'il prenne cette place-là, moi, je vais chercher une autre place. Pourquoi? Parce que le frère dit qu'il dit quoi? Il dit que vous allez répondre de quoi? Il dit ceci. Il ne sera redemandé plus qu'à vous. Vous devez répondre d'une église. Alléluia. Amen. Ah, ça veut dire que le frère Branham va répondre, n'est-ce pas? Il a sa compétence ou sa juridiction, son extension, je ne sais pas comment le dire. Mais il y a d'autres, comme les frères ici, notre pasteur, Salem, qui est l'église. Il doit répondre de son église. Le frère Branham n'est pas ici, hein? Donc, vous et moi, nous sommes impliqués avec le pasteur, hein? Salem. Ça signifie que quand il prêche, nous devons le surveiller. Amen. S'il dit quelque chose d'inhabituel, ah, pasteur, nous allons. Tu vas répondre, mais c'est que tu as dit là l'original. Explique-nous par rapport à l'original. Amen. Nous devons prier pour ce mot qui soit assis là-bas. Amen. Pour que notre pasteur qui va répondre pour nous dise ce qu'il y a ici. Amen. C'est comme ça que nous pouvons être couverts que je vous ai tous vus là-bas. Alléluia. Amen. Que nous aussi, nous avons dit que tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as aimé, bien, je te le donne. Amen. Pour autant que, alléluia, ce Amen. Que le pasteur dit, soit ce que le prophète a dit. Amen. Je crois que c'est comme ça, non? Amen. Bon, je continue. Il ne sera redemandé plus qu'à vous. Vous devez répondre d'une église. Vous devez répondre de votre famille ou peut-être de vous seul. Voyez, mais moi, il y a des millions d'âmes dont je dois répondre. Je dois absolument savoir ce que je fais. Et si Satan vous tabasse, vous, pour une seule âme ou pour quelques âmes que vous pourriez gagner, que dire de là-bas où des millions d'âmes sont en place? À combien plus forte raison il multipliera-t-il ses attaques? Voyez donc, il faut se rappeler tout ça, frère. Alors, ce n'est pas étonnant que je sois nerveux parfois, c'est sûr. Alléluia. Voilà pourquoi prêcher la parole de Dieu nous rend nerveux. Je ne peux pas me permettre devant vous de vous dire n'importe quoi. Vous exposez mes pensées, mes sentiments, mes impressions, ça n'a pas d'importance ici. Alléluia. Amen. Je suis tenu de vous répéter ce que le frère Branham a dit. Parce qu'il va répondre pour ce message. Il a dit qu'il est responsable du message. Et le message qu'il a prêché, n'est-ce pas, est valable pour tout l'âge.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi ceux qui prennent la relève ont l'obligation de répéter fidèlement le message. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous aussi qui êtes assis, vous avez l'obligation de surveiller ça. Amen. Mais il faut vraiment dire, surveiller ça, examiner. Ne laissez pas de dire, c'est un grand homme, comment c'est moi, je vais m'adresser. Non. Il a l'obligation de nous montrer les choses qu'il déclare là-bas. Quelqu'un vient vous dire, le millionnaire m'a déjà élu. Ah frère, le millionnaire m'a déjà élu avec toutes ces guerres. Et je suis assis dans ton assemblée. Tu continues à me raconter ces histoires-là. Non, ça ne va pas. On va s'asseoir. Il faut que tu m'expliques comment il y a les guerres, il y a les maladies, il y a tout ce que nous avons et le millionnaire a déjà eu lieu. Est-ce que Branham va répondre pour ça? Non. Alléluia. Amen. Je veux savoir, est-ce que Branham va répondre qu'il a dit que le millionnaire a déjà eu lieu? Non. Non, il n'est pas là. Il n'a pas prêché ça. Il n'a pas enseigné ça. J'espère que je vais. Si je n'arrive pas, s'il faut arrêter, je vais arrêter. On continuera une autre fois. Bon. Disons quand même acte. Parce que je vais finir d'abord. Bon, on va continuer à ouvrir les cartouches. Prenons quand même acte 20. Acte 20, verset 5. Il dit. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qui s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Ainsi de suite. Vous voyez, Paul, avant de quitter la scène, alléluia, il savait qu'il allait mourir, il allait partir. Il s'adresse aux pasteurs, aux évêques. Il leur dit, vous n'allez plus voir mon visage. Mais avant de quitter la scène, il dit, je suis pur du sang de chacun de vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Donc ma responsabilité, en tant que messager, je crois que je l'ai, n'est-ce pas, accompli pleinement en vous annonçant correctement la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Maintenant, Dieu va me retirer. Je vais aller me reposer, je vais à la maison. Mais quand vous serez parti, vous vous êtes établi quoi? Évêque. Donc après le messager, Dieu est établi, n'est-ce pas, des évêques. Alléluia. Amen. Mais le message ne sera pas. Ce sera une autre génération. Ce sera une autre génération. Mais les évêques, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent veiller à donner la même nourriture, le même message que Paul a donné. Paul a dit, n'est-ce pas, je crois, à Timothée, si tu peux garder le dépôt que tu as reçu tel que tu l'as reçu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que chacun qui prend ce message doit faire. Amen. C'est ce que chacun qui croit ce message, n'est-ce pas, doit faire. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres.
Personne, n'est-ce pas, n'a le droit d'échanger un seul iota de ce message. Amen. Parce que cela engage la vie de chacun de nous. Amen. Alléluia. C'est ta vie individuelle, ton éternité, n'est-ce pas, qui est engagée. C'est pourquoi chacun a l'obligation, quand il entend quelque chose d'inhabituel, de demander à celui qui l'a dit, mon frère, nous sommes des frères. Montre-moi où le frère Branham l'a dit. Tu vas me montrer. Est-ce que c'est ça le contexte? Parce que parfois, nous déplaçons, n'est-ce pas, les choses dans le contexte. Alléluia. Bien, ceci étant, je crois que vous comprenez que après le frère Branham, il y a des gens qui vont prendre la relève pour prêcher le message, mais ils ont l'obligation de prêcher le message tel que le frère Branham l'a prêché. Le problème avec nous dans ce message, c'est que tout le monde se prévaut de prêcher exactement ce que le frère Branham a prêché. Pourtant, ce n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, ce n'est pas vrai. Amen. Et comme il y a des divergences, le frère Branham a conseillé que les serviteurs de Dieu puissent se rencontrer souvent pour traiter des questions profondes de la parole de Dieu. Des questions de divergence. Parce que nous sommes devant des brebis. Et une brebis prend ce qu'on lui donne. Amen. Il s'accroche à ça. Alléluia. Mais maintenant, si la brebis n'est pas perdue, c'est la faute du berger. Or, nous avons, n'est-ce pas, 5 ministères. Et pas un seul homme ne peut faire tout le travail. Il faut que ces 5 ministères puissent coopérer. Mais le problème, c'est qu'il y a de la défiance. Yes. Il y a l'animosité. Il y a la haine. Il y a la guerre. Et chacun, n'est-ce pas, est dans son coin. Chacun a une certaine tendance. Et des gens, n'est-ce pas, qui le supportent. Et il est sous les autres. Alléluia. Tel est, n'est-ce pas, le cas de Paul. Mais le frère Branham va aussi parler de lui-même. Est-ce que je vais toucher, n'est-ce pas, la prédication d'aujourd'hui? Peut-être pas. Je vais peut-être parler du frère Branham un peu. Bon, on va arrêter. On pourra toujours la liberté, n'est-ce pas, expliquer. Nous connaissons ça. Mais le frère Branham, je tenais quand même, n'est-ce pas, parler de ça parce que c'est très important. Prenons la page 8. Ben, divinité expliquée. Il faut voir la vie ceci. Il dit, je dirais ceci ce matin, frère. Je souhaiterais tout à fait pouvoir, pas en comparaison de la vie de Paul, mais juste pour faire un petit exposé de base. En effet, il y en a bien d'autres ici qui vont peut-être parler ce matin, mais je voulais cette occasion de dire ceci. Maintenant, j'aimerais que chacune des églises, comme je vous ai entendu les énumérer, les temples Bethel, l'indépendante, les assemblées de Dieu et plusieurs autres, comme nous en avons aussi, n'est-ce pas, dans ce message. Tous les noms qui sont dans la Bible, n'est-ce pas, nous les avons déjà utilisés pour créer des assemblées. Alléluia. Et les frères Branham sur les pentecôtistes, n'est-ce pas, avaient trouvé la même chose. Et il les cite aussi et plusieurs autres. Il dit, je souhaiterais tout à fait que vous puissiez voir ce que je vois. Alléluia. Amen. Que vous puissiez, je souhaiterais que vous puissiez voir la vision que je vois. Alors vous auriez une compréhension plus claire pour ce qui est du ministère. Alléluia. Amen. Ça c'est notre temps maintenant. Nous avons laissé le temps de l'espoir de Paul. Maintenant c'est le prophète de notre temps qui parle. Il veut que nous puissions avoir la même vision que lui. Parce que c'est lui qui nous apporte la lumière du soir. Amen. Qui nous permet de comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. Maintenant ne dormons pas, écoutons notre prophète, s'il vous plaît. Il dit, quand j'ai quitté l'église baptiste pour gagner la Pentecôte, et le docteur Roy Davis, qui m'avait ordonné dans l'église baptiste missionnaire, m'a dit que j'avais eu un cauchemar. Quand la vision du Seigneur était venue, et m'avait parlé. Et vous savez, où la guérison en était à l'époque, c'était au plus bas. Je ne savais rien des pentecôtistes. J'avais entendu qu'ils étaient une bande d'exaltés qui se couchaient par terre
et qui bavaient comme des chiens enragés, et qu'on devait les éventer et les ranimer et tout ça. Voilà tout ce que je savais des pentecôtistes. Alléluia. Amen. Ça, c'est le diable. S'il veut nous mépriser, il va nous mépriser, nous donner, nous coller des noms, n'est-ce pas, des mépris. C'est ce qu'il a fait les hommes avec les pentecôtistes. Pourtant, ils avaient le véritable Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui a le Saint-Esprit peut baver, peut, n'est-ce pas, se rouler par terre, tout en bavant. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est une naissance. N'ayez pas honte de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de certains comportements que vous pouvez avoir comme un bébé. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les gens du monde qui voient les pentecôtistes, ils disaient qu'ils sont des exaltés, des holy-rolles. Les gens ne sont qui roulent par terre quand l'esprit, n'est-ce pas, les saisit. Amen. Ils ne comprennent pas l'action de Dieu, ni le comportement, le mouvement de Dieu. Alléluia. Amen. C'est tout ce que le frère Branham, n'est-ce pas, savait. Mais Dieu, n'est-ce pas, a parlé au frère Branham que toi, tu as un ministère, n'est-ce pas, spécial, inhabituel. Dieu vient de faire deux dons, deux signes. Et le frère Branham, qui était un prédicateur baptiste, a parlé, n'est-ce pas, à son pasteur, le docteur Roy Davis. Son pasteur a dit, toi, un primérien, tu vas aller prêcher l'évangile dans le monde entier et même devant les rois, avec quel anglais? Tu as fait un cauchemar. Allez, va t'asseoir. Alléluia. Amen. Si le diable ne sait pas vous mépriser, il sait comment le faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle les portes de l'enfer. Amen. Vont se dresser contre vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais tenez bon. Amen. Parce que si vous avez réellement rencontré vous-même Jésus-Christ, ce message, alléluia, vous allez tenir ferme. Amen. Devant qui que ce soit, même devant le roi de la Belgique, Amen. Devant le président de n'importe quel pays, vous allez donner votre témoignage. Amen. Ici, Branham, c'est un primérien devant le docteur, pasteur, moi, il a des vices. Le frère Branham dit, non, Dieu m'a parlé. Il était réel. Alléluia. Amen. Je l'ai vu. J'ai entendu sa voix. C'était un homme, je peux même pas vous décrire. Mon expérience, je ne peux pas la renier. Alléluia. Amen. Celui qui a une expérience avec Dieu, il devient un homme différent. Amen. Alléluia. Amen. Oui, son témoignage, quand il parle, vous allez savoir qu'il dit la vérité. Oui. Amen. Oui, parce qu'il ne se débrouille pas, il n'invente pas. Il y en a qui inventent le témoignage. Oui. Mais celui qui vous raconte la vérité de ce qu'il a vécu, tu sais qu'il dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. C'est comme ça que le frère Branham, oh, un jour, son pasteur va l'appeler, lui, bon, aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, ordonner des femmes prédicateurs. Mmh. Son madame dit, non, là, ça ne va pas marcher. Il dit, non, non, non. Il dit, pasteur, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il dit, va, c'est moi qui dois l'ordonner, va ordonner ces femmes-là. Il dit, non, non, je ne le ferai pas. Il dit, bon, ok, nous te retirons, n'est-ce pas, la carte des prédicateurs, nous te retirons ton salaire. Il dit, ok, merci beaucoup. Je pars. Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas pour l'argent, frère. Amen. Ce n'est pas pour la gloire. Amen. C'est une charge. Amen. Premièrement, une charge. Amen. La charge pour le salut des âmes. Amen. Et vous devenez un inconditionnel. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il va vivre? Il n'a pas raisonné. Il lui a tout rendu. Et Dieu n'est pas laissé de ça pour lui faire tomber la main sur place. Non, monsieur. Il doit se débattre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se débattre. Ne croyez pas que vous avez choisi, n'est-ce pas, un chemin facile. Non, 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 non. C'est le chemin le plus difficile. Pour il y a quelques peu de gens. Regardez, nous sommes ici en Belgique. Notre assemblée, il y a quelques individus ici. Et donc, il est parti. Mais Dieu, quand il prend position pour lui, alléluia. Amen. Lui aussi prépare une plateforme pour vous. Amen. Hey, merci Seigneur. Amen. Et Dieu, n'est-ce pas, lui ouvre la porte, n'est-ce pas, chez les pentecôtistes. Mm. Avec les gens qu'il avait, il avait prié pour une fille d'Oréti, je crois, quelque chose comme ça, d'un pasteur pentecôtiste. Et la porte lui était ouverte. Mm. Il était de l'Indiana. Alléluia. Il était, n'est-ce pas, chez ce pasteur pentecôtiste dans le Missouri. Il a prêché. Donc le frère Branham habitait de ce côté ici. Et c'est ça que c'est par là. Il n'y a pas de.
Bon, je crois que les images, c'est quelque chose. Bon, je n'ai pas bien dessiné. Mais je vais faire un petit carré là pour que nous puissions comprendre. C'est, je crois que c'est comme ça, un peu comme ça. Bon, quelque chose de ce genre-là. Lui, il est terre. Je vois que l'Indien s'est laissé côté ici. Il commence à aller comme ça. Il sourit. Et lui, finalement, il est arrivé là. Jusqu'à la côte ouest. Chez les pentecôtistes. Il y avait des pentecôtistes. Ici, il y avait souvent des baptistes là-bas. Ici, lui, il a trouvé quelques pentecôtistes. Mais c'est là qu'il va, n'est-ce pas, aller chez les pentecôtistes. Alléluia. À la côte ouest. Pour rappel, nous savons, vous savez que Azusa Street, c'est où? Qui connaît? À Los Angeles, frère. Et Los Angeles, c'est là-bas. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. À Los Angeles, je crois que c'est en 1906, si je ne me trompe pas. À Azusa Street, chez les Noirs, c'est là que Dieu est descendu. Chez les pentecôtistes. Des gens qui avaient faim et soif. Alléluia. Il commençait à prier pour le baptême du Saint-Esprit. C'est toujours, n'est-ce pas, il y a toujours des gens dans une saison donnée qui comprennent que c'est la saison. Alléluia. Amen. Oh, il y a des amis de Dieu, n'est-ce pas? Ils se mettent à prier dans la saison. C'est vrai, mais Seigneur, mais tu avais aussi promis le Saint-Esprit. On ne voit pas la puissance et les œuvres du Saint-Esprit. Dans les pays des Galles en Angleterre, on a entendu parler, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans les pays des Galles, le réveil du pays des Galles. Mais Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ici à l'Ouest? À prier, à désirer. Le Saint-Esprit, Dieu, il voit les désirs qu'il y a dans nos cœurs. C'est ça qui l'attire au ciel. Quand vous priez, Dieu dit, mais qui là-bas? C'est qui là-bas? Amen. C'est quelle connexion? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas prier? Parce qu'il y a des prières, je disais à mon fils là. Il y a des gens, nous prions ici, nous prions. Parfois, Dieu ne nous répond pas à nous, mais c'est plusieurs générations plus tard que Dieu va répondre. Amen. Parce que peut-être nous avons prié bien avant, Dieu enregistre toutes ces demandes, alléluia, amen, des saints. Oh, les saints, ils ont quelque chose. Ils aiment toujours, n'est-ce pas, cet enthousiasme. Amen. Avec le Seigneur de gloire. Amen. Pourquoi vous priez, mais pourquoi je... Non, Dieu, il a enregistré tout ça. Amen. Souvent, c'est une autre génération qui va en bénéficier. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Si dans notre assemblée, nous prions, nous demandons, Seigneur, nous voulons, Seigneur. Dieu entend. Amen. Dieu, il est Dieu, il aime Amen. Ça. Amen. Et il va répondre certainement. Amen. Alléluia. Amen. Oh, des choses qu'on a vues dans ce message, frère. Et j'ai écouté les témoignages de la sœur Sarah. La sœur Sarah de Paris, Kinkela. Quel beau témoignage. Amen. Dieu, il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. C'est notre soeur, c'est notre Amen. Témoignage. Amen. AVC. Coma. Alléluia. Amen. Vous voulez dire, pourquoi AVC, pourquoi coma? Mais c'était pour faire l'expérience, n'est-ce pas? Amen. Des choses que le frère Branham nous a enseignées. Amen. Elle est allée, n'est-ce pas, les vivre là-bas. Amen. Et puis elle est revenue pour nous en donner son témoignage. Amen. C'est sur YouTube, vous pouvez aller voir. Et suivez vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous fait du bien. Amen. Parce que c'est dans notre maison Amen. Que ces choses arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, c'est même, mais pourquoi les souffrances? Pourquoi la maladie? Pourquoi tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je l'étais à quoi? Alors, les frères Branham, n'est-ce pas? Les pentecôtistes, ces gens sont mis à prier. C'est là que le Saint-Esprit va descendre à Azusa Street. Il y avait quelques individus simplement. Dieu souvent n'a même pas besoin de beaucoup. Il a besoin, n'est-ce pas, d'un Josué et d'un Caleb. Amen. Des gens qui sont connectés, n'est-ce pas, dans le mouvement et la saison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va descendre là-bas. Oh, merci Seigneur. C'est comme ça qu'ici, on va trouver, n'est-ce pas, les pentecôtistes.
Et le frère Branham aimait beaucoup, n'est-ce pas, l'Ouest. Il y a quelque chose ici à l'Ouest. N'oubliez pas qu'il a dit qu'un prophète va où? Dans les déserts. Amen. Et il sort avec le message, il va à la Maison Blanche, il donne son message, pas, et puis il rentre où? Dans les déserts. Amen. C'est là que lui aussi va arriver. Après avoir reçu la commission de Dieu, Dieu va l'envoyer, n'est-ce pas, auprès des pentecôtistes, parce que les autres les églises, souvent, n'est-ce pas, ne lui ouvraient pas les portes, mais les pentecôtistes aiment le Saint-Esprit, les frères Branham aiment le Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment sont les traites ici, les pentecôtistes? Les gens qui bavent comme des chiots, qui roulent, ça, ce sont les baptistes, les méthodistes qui se moquaient des pentecôtistes. Amen. Si bien que même sa propre belle-mère, a dit à l'épouse de la Saint-Hope, toi, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Nous, nous sommes des gens de la grande société. Nous ne pouvons pas, les femmes, nous associer à ces gens-là qui, c'est Rolly Rolles. Vous voyez? Donc, le frère Branham, il dit, il va aller, n'est-ce pas, jusqu'à là, à l'ouest. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, et là, quand je suis arrivé, je vais d'abord les paragraphes. Sinon, et puis de là, on continue chez Richard Terrain et Ride. Bon, je vais arrêter. Hein. On n'aura pas le message aujourd'hui, mais c'est quand même une partie. Du tabernacle du bon vieux temps de la Bible à Genesboro, qui était aussi de la même organisation. Et de là, chez le docteur G. Brown, même organisation, au 505 rue Victor à Little Rock, Arkansas. Là, il est encore, il se fait au centre ici. Et de là à la côte ouest. Et là, où à la côte ouest, quand je suis arrivé sur la côte ouest, j'ai fait connaissance avec le feu. Amen. Alléluia. Vous avez dit amen, mais ce n'est pas le feu du Saint-Esprit qu'il a trouvé là-bas. Non, pas le feu du Saint-Esprit. Avec le feu. Là, j'ai découvert qu'il y avait autant de divisions parmi les pentecôtistes dans leurs organisations qu'on en a, nous, les baptistes, comme nous, les branhamistes. Vous voyez, il y en avait tellement de différentes. Il y en avait différentes. Il y avait les assemblées de Dieu et l'église de Dieu et les autres et les autres et les autres et les différentes. Et ils s'étaient séparés. Ils avaient tracé des petites frontières. Et tous les autres frères se sont mis à venir vers moi et à me dire, « Oh, vous êtes un Jésus seul avec ce groupe là-bas. » Je dis, « Non, je ne me donne pas ce nom-là. » Vous voyez, il a dit, « Mais vous ne fréquentez pas, frère. » J'ai dit, « Eh bien, je n'en suis pas un pourtant. » Pour autant, vous voyez, et j'ai dit, ils étaient des frères. Et il a dit, « Oh, ils sont un tas. » Ils n'ont rien d'autre qu'un tas de perchoirs à vautours. Et tout par là. Vous voyez, quand il y a la haine, la division, n'est-ce pas? On traite les gens, n'est-ce pas, d'un perchoir de vautours. Donc, on se place volontairement du bon côté, et les gens sont des vautours. Nous, nous sommes des aigles. Alléluia. C'est comme ça. Quand il y a une division, on prend un nom. Nous sommes l'assemblée, n'est-ce pas, ceci, les autres sont, n'est-ce pas, Galates. Oui, mais j'ai vu ça. En réaction, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé. Oh, Galates, qui vous a ensorcelé. J'ai dit, oh là 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 là, nous sommes loin. Vraiment. Ça, c'est la réaction à ce que, n'est-ce pas, un autre pasteur a dit. Et la prédication, c'est que, oh, Galates. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore loin du but, mes frères. Oui, oui. Amen. Quand nous regardons nos aînés là, nos pères, eux aussi font des choses. Nous devons beaucoup prier pour nos pères. Oui. Prédication. Oh, Galates. Qui vous a ensorcelé? Bon, maintenant, si l'autre devait répondre avec son assemblée, mais c'est la guerre qui va continuer. C'est la guerre.
Parce que madame a dit que c'est une déclaration habituelle, nous avons le droit de mettre cela en cause, en question. Mais comment? Dans l'amour. Voyez-vous? Il faut qu'il y ait de l'amour. Au départ, il faut dire que c'est mon frère. Ok? Dis de bonnes choses de ton frère, et si possible, va voir ton frère et l'appeler même au téléphone, mon frère. Ce que tu as dit là, c'est comment? Explique-moi. Mais quand on ne considère plus, n'est-ce pas, cet homme-là comme un frère, oh, galette! Qui vous a ensorcelé. Je crois que ceux qui sont au pouvoir savent de quoi il est question. Mais nous n'entrons pas, n'est-ce pas, dans cette histoire-là. Mais c'est pour vous montrer que l'esprit qui était sur le frère Branham, nous devons l'avoir. Amen. Vous suivez? Amen. Ah, nous devons pleurer pour que nous puissions aussi avoir l'Esprit Saint qui était sur le frère Branham. Amen. Pas notre Esprit Saint. Regardez chez les pentecôtistes, un groupe appelle l'autre, n'est-ce pas? Il dit non, vous êtes simplement un perchoir de vautours. Donc lui, il est dans le perchoir, n'est-ce pas, des aigles. Il est sur la montée des aigles. Parce que nous, quand on parle des aigles, nous voulons être nous les aigles, mais les autres ne sont pas les aigles parce qu'il y a une division. Non. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans ces affaires des assemblées-là. Dieu connaît ses enfants dans toutes les assemblées. Amen. Même s'il y a des erreurs. Amen. Même, je vous dis, même s'il y a des erreurs, même grossières, un fils de Dieu reste un fils de Dieu élu, sauvé. Il ira dans l'enlèvement, il a le Saint-Esprit. Amen. Détrompons-nous. Ne regardons pas aux apparences. Amen. Ce n'est pas une histoire d'assemblée, c'est une histoire de salut, de prédestination. Amen. Amen. Non. Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter avec ça. Alors il dit, j'ai essayé de tenir aussi longtemps que j'ai pu, sans me prononcer pour l'un ou pour l'autre. Je me suis mis à étudier quels étaient... Bon, le frère Branham a commencé, n'est-ce pas, à étudier pourquoi il y avait ces combats-là. Vous voyez, même, n'est-ce pas, dans le message, il y a ces combats parfois, c'est dit, mais pourquoi ces combats-là? Et nous arrivons, n'est-ce pas, à comprendre pourquoi il y a tous ces combats-là. Il a trouvé le feu là-bas, il dit qu'il y avait la haine, il dit... Bon, je regardais de deux côtés, il y avait des grands hommes, des serviteurs de Dieu. Le frère Branham dit que c'était des serviteurs de Dieu. Hein? Des grands hommes. Il n'a pas dit que c'était des corbeaux ou des vautours. Non, il dit que c'était des grands hommes, des serviteurs de Dieu. C'était des pentecôtistes. Branham, qui est prophète, qui voit mieux que nous, qui a dit, je veux que vous puissiez avoir la même vision que moi. Amen. Oui. Bon, sa vision, c'est que quand il a regardé des deux côtés, il a trouvé que c'était des serviteurs hein, de Dieu. Amen. Des grands hommes. Mais d'où viennent les perchoirs de vautours? Je me disais, oh Dieu, si seulement je pouvais tous les voir émerger pour avancer simplement et avoir, mais de ne pas tracer leur ligne en disant, nous ne fraterniserons pas les uns avec les autres. Mais j'ai découvert là-dedans que l'esprit mauvais s'était introduit parmi eux et avait suscité de la haine et de la méchanceté sur des questions qui s'étaient déclarées parmi eux. Je me suis dit que ça faisait tout à fait l'affaire du diable. Amen. C'est exactement ce qu'il veut. Tant que vous braquez vos fusils les uns sur les autres, il n'a pas besoin d'élever les petits doigts. Amen. Alléluia. Il dit finalement, l'épreuve de force est arrivée. Cette épreuve de force a eu lieu à Seattle, dans le Washington, vers 1946. Et un matin, on m'a mis dans le hall d'un hôtel, un peu comme ceci, comme ici, pour un déjeuner avec quelques prédicateurs, je devais parler à deux hommes principaux. Donc, le frère Branham a trouvé ce feu, la méchanceté, la haine, la division, la séparation, les insultes. Et lui, on l'invite... Et il doit, n'est-ce pas, prendre position. Les uns comme les autres attendaient qu'ils puissent sortir, les appuyer un contre les autres et vice-versa. Le frère Branham dit, non, moi je ne vais pas jouer ce jeu-là. Pourtant, les deux camps parrainaient le voyage missionnaire du frère Branham. Maintenant, est-ce qu'il va vendre son droit d'aînesse? Non. C'est au contraire l'occasion de prendre position pour la parole de Dieu. Alléluia. Toujours
prendre position pour la parole de Dieu. Il n'y a pas un ancien qu'on aime plus que l'autre ancien. Ça ne doit pas exister. Moi, je trouve que ces hommes-là qui ont prêché l'évangile, ils ont fait tant de sacrifices et avoir l'œuvre qu'ils nous ont présentée aujourd'hui, nous devons les aimer. Amen. Et prier pour eux. Et les soutenir, malgré, n'est-ce pas, les divergences qu'il y a. Des hommes qui sont, n'est-ce pas, au fin fond, n'est-ce pas, de nos savanes, prêcher ce message, qui ont ouvert des assemblées, aujourd'hui, on va les dénigrer, non, monsieur. Mais eux aussi doivent être des modèles. Nous devons prier qu'ils soient vraiment des modèles. Que ces querelles finissent. Moi, ça me fait très mal. Les aimants et tous, je ne comprends pas pourquoi le diable doit arriver, n'est-ce pas, à les armer les uns contre les autres. Et ça n'en finit pas. Quand ils disent que non, je n'ai rien contre tel frère, non, nous savons qu'il y a toujours quelque chose. Non, je l'aime, on voit dans les actions et les comportements qu'il n'y a pas d'amour. On le voit, nous ne sommes pas des enfants. Quand l'un organise quelque chose, l'autre n'est pas là. Quand l'un invite l'autre, il ne vient pas. Il y a toujours la méfiance. Ça ne va pas. Et les brebis suivent, n'est-ce pas, leurs bergers, leurs évêques. C'est ça le problème. Alors là, il y avait, n'est-ce pas, deux hommes. Il y avait le docteur, l'un s'appelait Ness, et l'autre s'appelait Sis. L'un était unitaire, l'autre était trinitaire. Les unitaires baptisaient au nom de... Le baptême, c'était au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et les trinitaires, tous les pentecôtistes, baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est cette question de doctrine qui les a, n'est-ce pas, séparés. Et chacun, dans son camp, avait un docteur en théologie. Alléluia. Amen. Donc, des gens intellectuellement très valables, des serviteurs de Dieu. Mais sur cette question importante du baptême, ils n'arrivaient pas, n'est-ce pas, à s'accorder. Alléluia. Et cela produit, n'est-ce pas, la haine, l'animosité, la méchanceté, les insultes, la séparation, le feu que le frère Branham, n'est-ce pas, a trouvé là-bas chez les pentecôtistes. Et qui devrait, n'est-ce pas, être le modèle. Voilà comment les diables, n'est-ce pas, les a opposés les uns aux autres. Et le frère Branham, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il va dire? Il va finir, j'ai dit, ma décision est déjà prise. Là, ma décision, c'est de me tenir entre vous deux. Et de ne me joindre à aucune organisation. Et de dire, en vous entourant tous les deux de mes bras, nous sommes frères. Amen. Vous voyez, nous sommes frères. Je dis comme... et je dis, j'ai essayé de lire tous les livres. Et je dis, dans les disputes qu'il y a entre vous, je dis, c'est la même chose que ce qui a divisé le mouvement des Pentecôtes les jours après la Pentecôte. Ils se sont mis à se disputer entre eux. Et j'ai dit, c'est encore cette chose-là qui sépare. Donc, quand on commence, n'est-ce pas, à se disputer, à se quereller, à ne plus se conduire comme des frères, c'est fini, le diable vous a eu. Amen. Et l'Église ne va plus avancer. Il faut d'abord qu'il y ait l'amour. Même s'il y a des divergences, d'opinion, de compréhension, ce n'est pas ce qui va nous amener au ciel. La seule chose qui va subsister, alléluia, Amen. Ce ne sont pas les dons. Ce ne sont pas nos prédications. Ce n'est pas notre connaissance. Ce n'est pas notre intelligence. Non, monsieur. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il dit, on vous reconnaîtra lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Ainsi, on saura que vous êtes mes disciples. Amen. Et pour parler de l'amour, l'amour souvent doit être testé et éprouvé. Amen. Si vous voulez savoir si vous aimez votre épouse, ou votre mari, selon ce qui vous contrarie, qu'il fait des choses que vous n'aimez pas, que vous allez voir si vous allez le supporter. Parce que l'amour fait quoi? L'amour supporte tout.
Allez-vous le supporter? Quand il va faire des erreurs, ou quand il va faire des erreurs, allez-vous lui pardonner? Parce que l'amour pardonne tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème qui nous manque. C'est ça qui nous, la chose qui nous manque. C'est cet amour pour aborder toute chose dans la maison de Dieu. Il faut de l'amour. Et sans amour, on n'arrive nulle part. Parce que tout passera. Les prophéties passeront. Les bonnes doctrines passeront. Le frère madame dit, alléluia. Amen. Je préfère une personne qui enseigne une fausse doctrine, mais qui a un cœur vrai. Amen. Alléluia. Amen. Qui a un bon cœur, qui a l'amour. Que celui qui a une bonne doctrine, mais qui a la haine. Yes. En effet, dans ce message, la plupart des divisions que nous avons eues, c'est parce que nous avons beaucoup de docteurs qui ont la bonne doctrine, et dès lors qu'ils voient quelque chose, ils voient la faute que les pasteurs commisent. Ils vont commencer à insinuer la chose, à pousser, et à ressortir ce que lui connaît, c'est fini. Il est élevé et il sort. Et derrière lui, n'est-ce pas, avec sa connaissance, il emmène des gens. Et ils sont réjouis. Incapables de tenir une campagne, n'est-ce pas, d'évangélisation. Et de pouvoir avoir un seul converti. C'est ça qui arrive dans ce message. Sortez. Tenez une campagne, nous allons voir. Si votre connaissance va vous aider, n'est-ce pas, à gagner les âmes à Christ. Vous trouvez l'assemblée, il y a un homme qui a peiné, qui a souffert, pour, n'est-ce pas, arriver à avoir une assemblée, vous venez, en vous donnant la chair, vous profitez, n'est-ce pas, de ses faiblesses, pour les détruire. Et vous emmenez, n'est-ce pas, ces brebis. Vous dites avoir un ministère, profiteur, paresseux. Oui, monsieur. On devait coopérer. Je vois une erreur, je dois aider, n'est-ce pas, à cet homme-là. Il a la responsabilité. Je suis là pour collaborer. Non, là. Et avec patience. Avec patience, parce qu'il faut toujours l'amour, parce que l'amour est patient. Amen. Ne pensez pas que on aura tous la même vision le même jour. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut être 10 ans, 20 ans. Et Dieu peut laisser la chose comme ça par exprès pour voir comment vous allez réagir. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais regardez dans ce message s'il n'y a pas le feu. Dans ce message, c'est le feu partout. Et la plupart des assemblées que nous avons sont nées des divisions. Ah oui. La plupart, dans les 90%, 90%, 95% des assemblées que nous avons dans ce message, il n'y a pas eu de campagne d'évangélisation. Il y a eu, à la suite, une division. Amen. Toujours. Toujours. On doit se poser la question. On doit bien se poser la question. Parce qu'il faut que j'arrête là, il va être 14h. Mais c'est ça qui est arrivé là-bas. Les frères, madame, dit ici, parlons encore un peu de l'amour, parce que c'est de ça qui est le plus important. Pour arriver à réconcilier, n'est-ce pas, ces deux groupes, le frère Branham n'a pas pris parti pour l'un ou pour l'autre. C'était un prophète de Dieu. Il avait dit, j'aimerais que vous tous puissiez avoir la même vision que moi. Pour avoir la même lumière que moi. Nous avons vu que le frère Branham dit que moi, je n'ai pas fait le travail d'un évangile, d'un prophète. Alléluia. Amen. Mais un véritable prophète de Dieu s'en tient toujours à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas acheter un prophète avec l'argent comme Balaam. Non, monsieur. Il dit, même si vous allez m'abandonner avec votre soutien financier, vous allez m'abandonner. Parce que maintenant, les problèmes, c'est que dans ce message, il y a beaucoup d'amitié. On peut plus dire de la vérité parce qu'on est ami à ceci, ami à cela, on est parent à ceci, on est parent à cela. Oh, faisons attention. Non, disons la vérité avec l'amour, mais disons quand même hein, la vérité. Amen. Disons-la.
disons-le, parce que je suis... Non. Quand il faut dire la vérité, nous sommes devenus un peu des politiciens. Hein? Le fanatisme aveugle. On n'ose plus ouvrir la bouche pour la vérité. Comme je disais l'autre fois, la chanson de mon frère là-bas qui dit que toute vos vérités n'est pas bonne à dire. Nous ne sommes pas des politiciens ici. Toute situation n'est pas bonne à dire. À lire, non? Ayons le courage. Mais ayons la vérité, mais aussi l'amour. Parce que le frère Madame dit, bon, il dit, moi je le donne, n'est-ce pas, le discernement. Mais si je n'ai pas l'amour, comment je vais me tenir devant l'église et opérer le discernement? Ça ne va pas marcher. Impossible. Comment est-ce que je vais prier pour un malade qui puisse être guéri? Il ne pourra jamais être guéri. Jamais. Parce que j'ai quelque chose du diable dans mon cœur. Si j'ai la haine en moi, l'animosité, la méchanceté, comment je vais chasser les méchants? Le diable va se reconnaître en moi. Ben oui. Si je la critique, mais comment je vais, n'est-ce pas, chasser les démons? Le diable va se reconnaître en moi. C'est un esprit. Le diable le voit, il ne va pas partir. Au contraire, je risque même, n'est-ce pas, de recevoir davantage de démons. Mais le frère Branham nous montre, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire. La divinité expliquée, on verra ça plus tard. Mais je tenais quand même, n'est-ce pas, que nous puissions revenir un peu sur ces questions-là qui nous séparent. Qui nous séparent pour que nous sachions, nous ici, comment prier les uns pour les autres. Amen. Comment prier pour l'Église. Que la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, enfuient la maison de Dieu. Pourtant, c'est là que Dieu, n'est-ce pas, envoie ses bénédictions pour l'éternité. Amen. Est-ce que nous pouvons terminer pour lire ce que nous avons lu, n'est-ce pas, dans la semaine? Si vous voulez bien, je vais terminer juste par la lecture, n'est-ce pas, de ce psaume 121. S'il vous plaît. Parce que j'ai aimé ce psaume-là, 122 plutôt. 122. Ah oui. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus. Les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice. Alléluia. Amen. Les trônes de la maison de David, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs, et la tranquillité dans tes palais. Amen. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais le vœu pour ton bonheur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au Seigneur. Que Dieu bénisse ce frère béni. Bien, j'espère que vous avez aimé la parole de Dieu.